Comment as-tu découvert cette mission de service civique ? Je suis en troisième année à Sciences Po Toulouse et je devais faire un stage et du coup j'ai regardé sur le site du service civique et c'est là que j'ai découvert Astéria. Donc après avoir terminé ma licence de médiation culturelle, j'avais envie de faire une pause dans mes études et donc, du coup je me suis dit que ça serait une super bonne idée de faire un service civique. C'est une amie à moi qui m'a parlé de l'association Astéria parce qu'elle avait fait sa formation civique et citoyenne là-bas et elle m'en a dit que du bien. Donc du coup je suis allée sur le site d'Astéria et c'est là que j'ai découvert ma mission. Quelle est ta mission au sein d'Astéria ? Je suis chargée d'accompagnement vers l'engagement citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, j'accompagne individuellement ou collectivement des personnes qui ont envie de s'engager bénévolement ou qui ont envie de monter un projet citoyen. Donc, ma mission, c'est d'animer et d'organiser des cafés Envie d'agir. Les cafés Envie d'agir, c'est des moments de partage et de témoignage d'expérience où en fait les participants, ils essayent de réfléchir collectivement pour trouver des solutions et découvrir des manières d'agir en rapport avec une thématique donnée. Donc cette thématique, elle peut être écologique, démocratique, solidaire, citoyenne. Il y a aussi des associations qui sont invitées en rapport avec cette thématique, qui sont impliquées concrètement sur cette thématique et puis qui ont des opportunités de bénévolat. Donc moi j'anime ces cafés et j'organise l'événement de A à Z. Qu'est-ce qui t'a poussée à faire ce service civique ? C'est vraiment l'association, les valeurs qu'elle prône, l'écologie, la citoyenneté, l'inclusivité et aussi le fait qu'elle s'adresse à un public dit fragilisé. Donc des personnes en situation de handicap, des personnes en situation d'exil ou des personnes retraitées isolées. Et en fait, le but de l'asso, c'est vraiment de leur redonner un pouvoir d'agir. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. J'avais très envie d'avoir une expérience professionnelle en rapport avec l'événement et la médiation, qui sont donc le cœur de ma licence. J'avais aussi envie de découvrir des techniques d'animation pour les cafés Envie d'agir. Et puis j'ai tout de suite adhéré aussi aux valeurs de l'association et qui sont notamment promouvoir l'engagement citoyen. Comment s'est passé ton premier jour ? Je suis arrivée en même temps que l'autre service civique, Cléo. Et c'était une journée riche en informations, etc. Et on avait aussi toutes nos masques. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué de faire connaissance avec les masques sur le visage tout le temps. Je me souviens de mon premier jour où j'ai rencontré l'autre service civique, Margot. On a fait une première réunion d'accueil avec nos deux tutrices, Lisa et Camille. Donc, il y avait beaucoup d'informations d'un coup, mais tout de suite, on s'est senti à l'aise dans l'association. Est-ce que tu as fait de belles rencontres ? À commencer par Cléo et aussi toute l'équipe. Puisque vraiment toutes les personnes sont super bienveillantes et on se sent très bien. Et aussi toutes les personnes que j'ai accompagnées, vraiment à chaque fois c'était de super rencontres. Avec toute l'équipe, vraiment c'est des personnes très bienveillantes et accueillantes. Après c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu rencontrer tous les bénévoles d'Astéria lors de moments un peu plus festifs et conviviaux. Quel est ton souvenir le plus marquant ? C'est quand la première personne que j'ai accompagnée, son accompagnement a abouti vers un engagement bénévole et que cette personne m'a remerciée, c'était vraiment très gratifiant. Mon souvenir le plus marquant, c'est quand on a participé avec Margot à un forum des associations où on devait présenter l'association Astéria et tous ses outils. Donc en fait, il y avait beaucoup d'étudiants qui défilaient très rapidement. Donc à la fin, en fait, la présentation d'Astéria sortait toute seule. Et voilà, c'était un moment assez riche en émotions. Si tu pouvais, est-ce que tu referais ce service civique ? Oui, mais c'est vrai que j'essaierai de le faire de manière plus longtemps. Parce que là, je suis un petit peu frustrée de participer au service. Ouais, je referai service civique avec grand plaisir et même j'en ferai un autre à l'étranger. Qu'est-ce que t'a apporté ce service civique ? Beaucoup de choses, beaucoup de savoir-être et de savoir-faire et notamment le fait de s'adapter à chaque personne et à chaque enfant. Et aussi un réseau d'associations parisiennes puisque j'ai été en contact continuellement avec plein d'associations de plein de thématiques différentes. Ce service civique, il m'a permis de maîtriser des outils d'animation, de communication. Il m'a permis de savoir un peu comment organiser un événement de A à Z.
J'ai pu aussi découvrir tout le réseau associatif parisien. Quel a été l'impact du Covid-19 sur ton expérience ? Les masques déjà. Et aussi, vu que ma mission principale, c'était vraiment le contact humain, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué, même si on a su s'adapter. L'impact, il a été assez fort parce que sur tous les cafés que j'ai pu organiser, il y en a seulement deux qui ont pu avoir lieu en présentiel. Et sinon, tous les autres, ils ont lieu sur Zoom. Donc en fait, j'ai dû m'adapter pour essayer de maîtriser d'autres outils numériques. Décris ton expérience de service civique en trois mots. Alors, je dirais rencontre, apprentissage et aussi prise de responsabilité. Je choisirais adaptabilité, horizontalité et animation.